quand on est arrivé, la plupart pensaient qu'il fallait faire partir Kaba. Moi, dans mon analyse, mes propositions, je me suis dit Kaba doit continuer le projet. C'est ce qui a été fait. On a tellement eu confiance, on l'a même confié, en plus de l'équipe première, l'équipe olympique. On a réussi à qualifier. Et ce qui s'est passé après la victoire de l'Algérie, il y a eu la défaite contre le Mozambique. Après, on a fait 3 défaites aux Jeux olympiques. Ça a choqué tout le monde. Mais il fallait, à un moment donné, revoir quelle stratégie il faudrait mettre en place pour encore trouver d'autres solutions meilleures. Ce sont des propositions. C'est par rapport à ça, cette charte a été proposée. Comme dans tous les grands pays en principe, le directeur technique national, il a pour rôle d'évaluer tous les techniciens, depuis l'équipe première jusqu'à la plus petite équipe. C'est ce qui a été fait dans mes attributions. Si vous voyez superviseur, ça veut dire celui qui évalue le travail des techniciens au niveau de cette équipe. Alors la charte, nous avons tenu compte de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est quelqu'un qui connaît le football dans sa globalité. Et ensuite, qui connaît le football guinéen. Le choix est tombé sur Michel Dussier. Avec son titre de coordinateur, il va prendre la sélection pour qu'il puisse s'impliquer à 100%. Il aura 2 assistants qui seront, parce que je tiens toujours à l'expertise locale. Les 2 assistants, c'est Mamadouba Silla, gaucher, et le deuxième, c'est Michel même qui l'a choisi, Alain Ravera,